halte au massacre à Gaza et en Cisjordanie. Ah oui, c'est mieux, on entend mieux. Cessez-le-feu total et permanent, protection du peuple palestinien, sanctions contre l'État d'Israël. 3 mois de massacre contre la population de Gaza. Voilà. C'est un crime contre toute l'humanité qui continue sous nos yeux. C'est une guerre atroce et criminelle que l'État d'Israël mène depuis plus de 3 mois contre la population palestinienne de Gaza. Ce sont aujourd'hui 23 000 morts qui ont été répertoriés, dont plus de 70% de femmes et d'enfants, 59 000 blessés, 8 000 disparus. Des centaines de familles ont été anéanties, plus de 100 journalistes et plus de 300 médecins et travailleurs de la santé ont été tués. 85% de la population a été forcée de quitter son logement. La population est dans une insécurité totale, entassée dans des tentes ou des abris de fortune, soumise à des bombardements incessants et privée d'eau, de nourriture, de médicaments, d'électricité et de carburant. De plus en plus d'organisations et d'experts internationaux font état d'un génocide en cours. Et comme vous le savez, le problème est maintenant posé au niveau de la Cour internationale de justice. On est sans nouvelles de milliers de personnes arrêtées par l'armée israélienne dans des conditions inhumaines et dégradantes et emmenées vers des destinations inconnues. Les universités et les écoles ont été particulièrement ciblées. La plupart des hôpitaux ont été bombardés ou mis hors d'usage. La moitié des logements sont détruits. Une bonne partie des infrastructures ont été détruites ou mises hors d'usage. Comme l'a souligné le coordinateur des affaires humanitaires des Nations Unies, Martin Griffiths, la bande de Gaza est tout simplement devenue inhabitable. C'est un lieu de mort et de désespoir. Et ses habitants font face à des menaces quotidiennes sous les yeux du monde. L'intention d'en expulser la population palestinienne est aujourd'hui revendiquée publiquement par plusieurs ministres du gouvernement israélien. La Cour internationale de justice, saisie par l'Afrique du Sud, examine en urgence les crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocide commis par l'État d'Israël contre la population palestinienne de Gaza et les moyens d'y mettre fin. D'autres États s'y sont joints. En Cisjordanie, sous état de siège, la population palestinienne subit les attaques conjuguées de l'armée et des colons qui ont fait plus de 330 morts depuis le 7 octobre. Le processus de colonisation connaît une accélération particulièrement inquiétante avec 9 nouvelles colonies sauvages sur les 3 derniers mois et la destruction ciblée des cultures palestiniennes. Nous dénonçons ce processus de nettoyage ethnique. Plus de 5000 Palestiniens ont été arrêtés depuis le 7 octobre par l'armée d'occupation. Près de 10 000 Palestiniens sont détenus par Israël dans des conditions inhumaines et au mépris du droit international. Tous les prisonniers politiques palestiniens, tous les otages civils israéliens doivent être libérés. Je passe la parole à notre camarade.